de voir justement la force de caractère que tu as pour vivre loin de tes proches, de continuer à vivre de ta passion. Quelque part, c'est un message pour lui et j'imagine que tu le fais aussi pour lui. Ouais, c'est clair que... Mais c'est sûr qu'au départ, il y a eu différentes phases d'adaptation. Là. Je me rappelle après quand il est décédé au mois de décembre en 2012. Puis je me rappelle, je suis en train de m'entraîner d'un col. C'était super beau, on était un peu l'hiver, les cols, les montagnes, tout le c'était tout enneigé. J'avais des efforts à faire, exemple, des 5-10 minutes dans des montées où tu te pousses à la limite. Puis je sais pas, j'avais peut-être 5-6 efforts à faire. Puis après 3 efforts, je me suis comme arrêté, j'ai regardé les montagnes, j'étais comme, pourquoi je m'entraîne aujourd'hui? Tu sais, pourquoi je me fais chier à faire du vélo? Ouais, tu sais? Ouais. Parce que je vivais à un moment où j'étais. Ouais, j'étais. Moi, je dirais ça, un peu une dépression. Tu sais, j'avais plus l'envie ou la flamme en dedans de me dépasser, de me battre pour être bon dans le sport ou pour être bon sur un vélo.